Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oui, on va partir en PVP, tester le gameplay sur ce Samsung Galaxy Z Fold 2, parce que du coup, hier, je vous ai présenté le téléphone, mais je n'ai toujours pas fait de gameplay. Eh bien, on va aller voir ça ensemble. Donc voilà, je vais partir avec quoi comme team? Bah bien évidemment, avec une team Zenkai, c'est celle-ci. Le Gogeta SSJ Zenkai type rouge, les amis. Donc hop, je reprends la main directement sur mon PC avec la souris. Eh bien, ça y est, il est à 1400%. 1400%, j'ai monté toutes ces branches dans l'arbre de compétences. Donc on va voir comment ça va cogner. Il est à 13 étoiles également, faut tout de même le souligner. J'ai également le Badak, hein, full étoile, 14 étoiles. Arbre de compétences, pareil, à 1400%, c'est une machine de guerre, le Badak. Le Badak, les gars, c'est une machine de guerre, tout comme le Gogeta, d'ailleurs. Après, j'ai également le Goku SSJ3 Zenkai 9 étoiles, 1400% également. Il y a également aussi le Goku LF Namek Zenkai, qui du coup, si vous l'avez 6 étoiles, vous pouvez le Zenkai gratuitement via le Rush Ultra Espace-Temps. Je vous avais fait une vidéo tuto Zenkai et je vous ai montré comment faire au cas où, voilà, si vous l'avez à 7 étoiles, tout comme le Gohan Zenkai. Voilà, 1400% également, chaque branche à 200%. Ensuite, pour le reste de la team, bien évidemment, ce personnage-là, le Goku Film Metal Cooler, je l'utilise principalement pour la cape Z. Il a une cape Z vraiment très intéressante. Regardez, les capacités Z lors d'un combat augmentent de 30% la défense et l'attaque physique de base, épisode saga des films et des classes Saiyan. Du coup, j'ai que des Saiyan, donc ça c'est le top. Vous pouvez sans doute le remplacer par exemple le Vegeta SSJ Big Bang du film Metal Cooler de type violet. Moi par exemple, je l'ai pas, donc je fais avec. Et après, voilà, il y a également le Raditz pour la Cap Z qui vient booster en gros toute cette team. Autre chose importante également, là comme vous pouvez le voir, l'écran est bien large, il a une optimisation supplémentaire contrairement aux autres smartphones. On a le prolongement du jeu, donc pour le gameplay, je pense que ça peut être vraiment pas mal également pour vous. Vous me direz également ce que vous en pensez dans les commentaires une fois que je vais me taper, en espérant pas me faire défoncer, tu vois. Ça serait un peu bête. Premier combat PVP, boum, je me fais fouetter. Après, en même temps, je suis quand même classé là dans le PVP, je sais plus combien, on ira voir juste après, mais les mecs, ils ont des grosses teams Zenkai également et ça commence à jouer. Autre chose importante sur le téléphone, les amis, dans les réglages, regardez, je vous montre, hein, sur le téléphone, voilà, juste ici, hop, fluidité des mouvements. Il y a quelque chose de vraiment très intéressant sur ce téléphone, c'est que adaptative, obtenez des animations et un défilement plus fluide en ajustant automatiquement la fréquence d'actualisation de l'écran jusqu'à 120 Hz. Donc, vous voyez ou pas, pour un téléphone, c'est un truc de fou, 120 Hz, les gars. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, du coup, on va partir en PVP avec cette fameuse team de Zenkai en espérant qu'on puisse casser de la bouche et en espérant que ça lag pas et que je ne rage pas. Ok, donc là, il y a une très grosse team, hein, les gars. Hein. On va partir, voilà, moi, avec la team Zenkai. Et en face aussi, il y a du Zenkai. On va voir ce que ça va donner, ce combat. J'ai fait un combat juste avant, je l'ai gagné, mais je vous le mettrai pas parce que ça a lagué. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, en espérant que celui-ci ne lague pas. Ok, allez, on est parti. Ok. Ok, la bagarre. Yes. Oh, c'est bon. Ouh là là, ça passe de justesse. Ça passe de justesse, ok. Le Migaté, forcément. Alors, faut que je fasse attention au Migaté avec ses esquives. Bon, ok, vas-y. Je pensais pas qu'il allait renchaîner tout de suite, vu qu'il avait la double esquive. Ok, charge step, ça y est, là, il a plus rien. Moi, je me soigne un petit peu. Ah, si, il avait encore, quand même. Un petit peu. Ok, très bien. La carte verte. Alors, il y a le Gogeta, là. Le Gogeta, attention, parce que le Gogeta, les gars, voilà, ça s'est passé. Regardez les dégâts. Oh, bon, là, ça va faire moins de dégâts, forcément, parce qu'il a contre-type. Mais les dégâts du Gogeta étaient incroyables sur le Migaté. Hein. Ok. Attention. Attention. J'aimerais bien remettre le Gogeta face au Kid Goku. Bon, ça va, ça fait pas de dégâts.
forcément, au moment où je mets, et forcément, avec le Rising Rush, allez, va faire une blast. Je sens qu'il a l'air chaud avec les blasts, lui. Tu vas mettre une blast. Mets une blast, je t'ai dit. Mets la blast. Voilà, c'est bien. C'est bien, monsieur. Ok, je vais l'esquive. Yes, voilà. Let's go. Let's go, Badak. Ah, il tanque bien aussi en face, hein. Forcément, il a du Zenkai aussi en face, donc ça tanque pareil. Yes, la tempo. Allez, on Rising Rush. Allez, forcément, il met le Kid Goku. Ok, allez, on va mettre l'aspect. Forcément, il met le Kid Goku, donc là, je vais pas pouvoir le tuer, hein, parce qu'il a la survie au chaos, le Kid Goku. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut Rising Rush, hein. on va pas attendre 107 ans. Hein. Donc voilà, déjà le mien il est passé, mais bon, il a survécu au chaos, donc au final, ça n'a pas tué. Ok. Carte verte, c'est pas vrai ça. Non, je vais pas switcher, je laisse Badak, il va encaisser, je te laisse encore Badak. Vas-y, fais ton ultime, je laisse Badak, il va pas mourir Badak, vous allez voir les gars. Badak il meurt pas les gars. 1 million 2 de PV, il va lui rester au moins encore... 300 000 ou 200 000. Eh, quand même, hein. Encore. Wesh, ça y est, c'est bon les cartes vertes. Bah là je suis obligé de switcher. Deux cartes vertes à la suite. Ça y est, c'est bon. Ok. Gogeta. Allez. Boum. Full camp d'ici. Allez, dégage. Ok, regardez le Gogeta, les... Oh là là. Allez, une blast, une strike. Bye bye Mingate. Voilà Gogeta. Oh le délire toi. Ah pas mal la tempo. Ah par contre là je rigole, mais pas mal là ce qu'il vient de faire. Et attention, lui en plus là il est boosté là. Donc là attention. Bien joué à lui. Bien joué à lui là dessus. Ok. Ok, là c'est chaud. Ok, il meurt pas. Il meurt pas. Oh là 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 là, que c'est chaud cette partie! Je vais pas perdre! Je vais pas perdre! 1v1! Je perdrai pas! Je perdrai pas! Voilà, je perdrai pas, je t'ai dit! Je perdrai pas! Ah ouais, il encaisse bien là! Ok, Legendary finish ou pas? Legendary finish ou pas? Si! Non! Non! Je vais pas mourir, je t'ai dit! Je vais pas mourir, je t'ai dit! Je vais pas mourir, je vais gagner, je t'ai dit! Je vais gagner, je t'ai dit. Je vais gagner. Boum. Ah, quel amélo. Oh, le combat de fou, les gars. Le combat de fou. Bah, forcément, hein, quand tu tombes contre du Zenkai comme toi, les gars, bah, c'est... Voilà. C'est compliqué. Mais ça fait, franchement, des bêtes de combat. Bon, en soi, c'est bien. Il n'y a pas eu de lag. Il n'y a pas eu de latence. Là, c'était vraiment un combat plutôt propre. Vraiment très, très, très chaud. Et pour le coup, bah, je vous mettrai ce combat-là, contrairement à l'autre d'avant. Voilà, l'autre, je le couperai parce qu'il n'y avait que des lags et il n'y avait pas forcément d'intérêt. Mais là, celui-ci, il était vraiment très intéressant. Le Migaté, ce que vous avez vu, Migaté face à Gogeta. Blast, strike, bye-bye le Migaté. Incroyable. Yable. Vraiment content de cette game. Et en plus, il m'a mis un GG, hein. Il m'a mis un petit GG. Donc, je vais lui rendre son GG, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater. Bon, attendez, je vais vous montrer directement la souris. Je suis placé 4951. Donc, on est dans le top 5K. Mine de rien, on fait des progrès en PVP. Et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà, les gars. Je pense que, en termes de rendu, en termes d'immersion, on voit que c'est tout de suite beaucoup plus optimisé sur ce Samsung Galaxy Z Fold 2. Et j'arrive à bien jouer, hein, du coup, sur ce grand écran. Et franchement, ça fait kiffer. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous avez pensé, justement, de ce rendu, de ce gameplay en PVP sur ce smartphone. Les amis, on va sans doute se retrouver peut-être ce soir, si j'ai le temps, en live des Bay Legends. Max 2 pouces bleus en mode Genkidama, comme d'habitude. Abonne-toi à la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!